Hello mes chers, hello. Alors je vous retrouve tout de suite après ma vidéo Nez Joli pour un All Nose. Et eh oui, et eh oui, et eh oui. Donc je suis allée chez Nose. Voilà, mon chéri m'avait prêté sa carte. C'est gentil quand même, hein. Et bah, il m'a dit, ouais, dépense pas trop, trop. Non, ça va, ça va, ça va. J'ai pas dépensé trop, trop. Non, mais il dit ça, mais en fait, il sait qu'en plus, quand j'ai sa carte, il dépense moins que quand j'ai la mienne, tu vois. Donc, alors. Chose que je montre en premier, mais que j'ai trouvé en dernier dans le magasin, c'est de la marque. Attends que je ne vais pas te connaître. Best Mountain. C'est un jean. Donc j'ai pris moi taille 34. Donc voilà. Attends, je vais me recoucher. C'est du stretch. C'est slim. J'aimais bien les petites découpes. Voilà, les petits boutons qui brillent, les petits détails qui brillent là, comme ça, à la ceinture. Il est franchement stretch, donc moi j'adore. Bon, 2% élastane, tu me diras. Derrière, il est tout simple. Voilà. Best Mountain à 14 euros. Hein. 99. 14,99 €. Et franchement, là, les déchirures, j'adore. J'adore, c'est pas trop. On va pas non plus trop, trop. Parce que bon, quand même, si je vais beau, ça va être, tu vois. Mais, d'ailleurs, vous inquiétez pas, il y a un fil qui prend. Hein, tout va bien. Mais, voilà. Son chemin me dit, oh, ça coûte une blinde, ça. Ouais, Best Mountain, c'est. Voilà. C'est pas mal quand même. Bon, bah, je vais les sortir tout de suite puisque de toute façon elles vont me servir. Les lingettes Huggies. Huggies, les bons tuyaux. Ah, c'est celles qui s'ouvrent carrément avec un opercule. Ouais, un peu plus rigide. Bon, je vais en sortir quelques-unes parce que vous allez voir qu'il va y avoir du swatch. Zizi. Bah oui, mais à force de me dire, ouais, regarde, il y a ça qui est arrivé, il y a ça qui est arrivé. Bah voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai pris du thé poire. Façon délice là, poire chocolat. J'aime bien celle-là. Enfin, celui-là, parce que c'est quand même du thé. Ça, des petites asperges. Asperges à 1,29 €. Ça va plus. Qu'est-ce que j'ai pris? Je sais pas par quoi commencer en fait. J'ai pris un headband, mais ça, c'est juste pour faire les tutos. Voilà, c'est avec plein de sequins. Il était à 99 centimes. Voilà, collier ou bandeau, ils mettent. Ouais, moi ce sera plus bandeau. C'est plus pour faire les tutos. Tu vois, pour que ça ait l'air un peu chic, tu vois. Bon. Les brouillards très chic, moi d'habitude, mais bon, c'est pas grave. J'ai trouvé ça. Bon, ça, j'avais vu que vous les aviez mis dans vos hauls. Donc, c'est un. Déjà, 12,99 € à la base, s'il te plaît. C'est la même marque que précédemment. Il avait l'air d'avoir du choix. Bon, là, il n'y avait pas tout ce choix. Hein. Oh, j'avais pas vu qu'à l'intérieur, en fait, vous avez la petite pochette en gaz. G-A-Z-E, hein. Pas le gaz. Parce qu'une fois, on m'avait fait réveiller la réflexion. Au gaz, ça n'existe pas. Ok. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, ça. Parce qu'en plus, tu sais, c'est la nana qui essaie de se moquer de toi. Mais en fait, vas-y, t'as raison quand même. En fait, au final, c'est le 14, mais c'est pas grave. Non, je me crois. Donc, je vais essayer de mettre ce bracelet. Donc, voilà. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils l'aplatissent comme ça sur le présentoir. Donc, du coup, il est tout aplati là sur les côtés. Alors, après, pour le refaire. Voilà. Vous voyez, il y a deux chaînes et là, c'est que du strass. Un strass, pas non plus. Waouh, mais. Il y en avait d'autres. Je pense que j'en avais. Ah oui, j'en ai pris un tout noir. Pareil, 1,50 €. Oh, regardez. Ah, bah, celle-là. C'est bien qu'il y ait la petite pochette comme ça, je trouve. Mais celle-là, elle est mignonne en plus. Garder pour les petits cadeaux, ouais, petits cadeaux de Noël. Donc c'est toujours à strass, c'est toujours à bouton pression. Et en plus, ce qui est cool, c'est que le bouton pression, si j'arrive à l'enlever, ce sera super génial. Le bouton pression, c'est un big strass aussi. Bah écoute, je vais le mettre. Celui-là, c'est un simple. Et l'autre, c'était un double. Ah, là, tu vois, il y a un défaut. Regarde. Là, ah bah voilà. Voilà, la pression, elle est restée collée. Bon. Voilà, voilà. Bon, ben, y a des petits défauts des fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever la pression qui est à l'intérieur qui est restée. Puis je mettrai l'autre. Bon, je vais essayer de. Voilà. Je vais essayer de me débrouiller avec tout ça. Ensuite, j'ai pris pareil un petit bracelet. Ça, c'était 1,20 €. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Alors, c'est un bracelet rose, un peu style cœur comme ça. Il y avait deux cœurs et un mouton au milieu.
Ah, c'est un peu style croque-monte. Moi, j'aime bien ces petites conneries, hein. Puisqu'on ça coûte pas cher, c'est top. Pour mon chéri, j'ai repris une petite sauce, parce que lui, il aime bien les sauces. Je passe du coq à l'âne, c'est pas grave. J'ai pris un petit, une petite étole, un peu comme ça, vous voyez, style Esprit Burberry, à 1,50. J'adore ces étoiles-là. Moi, je ne porte que ça, de toute façon. Donc, et une autre, rose et bleu, voilà. Et du gros pois. Ensuite, mais ça j'ai craqué. Oh non, ils ont été mettre l'autocollant dessus, j'avais pas vu. Regardez. Ça tombe bien, des pochettes, j'en avais pas. J'ai trouvé ça trop mignon. Oh, j'adore ça. Oh, c'est un petit sac à main. Mais c'est trop bien. Non, mais alors par contre, comment je vais faire pour enlever l'étiquette? Ah bon, comme ça, d'accord. En fait, elle s'en va toute seule. Oh, c'est un petit sac à main. Non, mais c'est trop fin. Ah oui, à la hanse. Oh, trop bien. Bon, bah alors, encore mieux que ce que je pensais. Et attends, c'est pas fini. Il y en a un autre. Pareil, un 99. Oh, comment c'est trop mignon. Bah donc, je pense qu'il y a la hanse dedans aussi, du coup. Oui, oui, oui. Moi, je pensais que c'était juste des pochettes, tu vois. Un 99. Je ne sais pas qui est-ce qui fait cette marque-là, mais franchement, j'adore. Alors ça, ça y est, ça a fait ma journée, quoi. J'aime trop ces trucs-là. Ils sont nos, j'adore toutes ces conneries-là. Ensuite, il y avait des petits porte-monnaie pochettes. Donc, bah voilà, les effigies de Londres. De l'Angleterre, je veux dire. Donc, j'en ai pris une. Et voilà, une deuxième. Bah oui, de toute façon, je les prends toujours. Dès que c'est l'effigie de Londres, dès qu'il y a une Big Ben qui traîne, c'est pour moi. Et celle-là, un vin aussi. Je l'ai trouvé trop mignonnette. Regardez la zipette, là, et tout. Quelque chose à mettre là-dedans, il n'y a aucun souci. Ensuite, j'ai trouvé un petit collier. Voilà, j'ai trouvé trop mignon. En plus, elles sont un tout petit peu irisées, les pampis là. J'ai trouvé ça super sympa. En plus, 1,50. C'est en train de s'amonceler. Bah, vous voyez. Et ensuite, last but not least, il y avait un arrivage de make-up aka AKA. As known as, comme disent les Anglais. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Donc, si ça vous parle, UK. Ah ouais, London. Ah bon, alors super. Donc, j'ai pris un blush. Le blush Frosty Flower. À 99 centimes. J'ai tout pris. Je ne les ai même pas ouverts. Je les ai tous pris. Toutes les teintes différentes. Donc, comme ça, je me suis dit, écoute. Donc, voilà. Donc, le blush... Ouais, oh, ça va. Hein. Oh, bah, c'est un blush tout bidon. Très bien, impeccable. Écoute, ok. Ensuite, j'ai pris Eyeshadow. Alors, celle-ci, c'est la Duo Shy. Voilà, Duo Shy. Eyeshadow, ok. Donc, Duo, donc je pense qu'il y en a deux, hein, bien sûr. Évidemment. Ok. Non, c'est bon. Oh, bah écoute, ça n'a pas l'air mal. Hein. Ouais, c'est poudreux, mais ça peut être sympa. Oh, le rose pâle, il ne se voit pas du tout. Par contre. Ok. J'efface. Bon, de toute façon, je suis à 99 centimes. Prends-les tous, hein, tu t'en fous. Hein. Ensuite, j'ai pris la Antique... Ah, je vais vous les montrer comme ça, c'est mieux. Antique Earth. Ah, ça, c'est des petites couleurs toutes simples. Très bien pour faire la petite couleur de transition. Nickel chrome. Bon, le packaging, il a l'air assez solide. Ma foi. Avec la petite... Moi, j'enlève. C'est écrit Beautiful Rock dessus. Ça, ça peut être pas mal pour faire une base de make-up. Tu vas pas avoir grand-chose, mais pour faire une petite base. Sans faire le creux de paupière, mais juste, tu sais, pour voilà, uniformiser la paupière, quoi. Ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai pris tout est laté à 89 centimes, 99 pour les blushs. Le Black Russian. Ah, je le découvre en même temps. Il y a un gris anthracite et il y a un noir mat. Ah, alors là, attention. Mais dites-moi si vous connaissez hein, cette marque-là. Ni vu, ni connu. Jamais vu, jamais... Alors, il y a le noir mat et le gris anthracite. Je vais me tourner vers la lumière, ça peut être pas mal. Ouais, pas mal, écoute. Bon, pas le truc de l'année non plus, mais...
Ouais, à mon avis, avec une petite base, ça peut le faire, ça peut être sympa. Bon, écoute, je suis contente, je découvre des trucs, moi. Ce n'est pas fini, non, 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 ce n'est pas fini. 99 centimes, qu'est-ce que t'es, toi? Un blush? Ouais, t'es un blush. Waouh! Oh, celui-là. Le Terracotta Hint. Alors, ça, c'est top. Parce qu'en fait, ça va me servir pour. Tu vois? En plus, vu la taille du truc, c'est parfait. Voilà, ça va me servir pour faire mon contouring. Tu vois? Encore que regarde, elle n'est pas du tout pigmentée la couleur. Oh, c'est marrant. On va voir comment on s'en sort. Je vous en reparlerai, hein, de toute façon, vous inquiétez pas, je vous en reparlerai. Si c'était naze, bah, tant pis pour moi, j'ai tout pris. Tout pris les couleurs. Ensuite, Duo Kiss and Tell. Waouh! J'ai rien regardé. Je me suis dit, je vais tout prendre. Et puis on verra bien en ouvrant la surprise. Parce que je me suis dit, ça, c'est le genre de truc qui va partir en 2 jours. Après, je vais regretter de ne pas l'avoir pris. Puis si c'est naze, je me dis, après tout. Donc là, il y a un rose. Un rose pearlescent et une espèce de rose pearlescent. Espèce de, je sais pas trop, framboise écrasée. Oh, le rose, il est beau. Hein. Rose pearlescent là. Ok, d'accord. On continue. Non, non, c'est pas fini. Ah bah non, c'est pas fini, non. Non, non. Ensuite, j'ai pris. Ça, c'est quoi? Encore un blush? J'en avais poté. Puis après, je fais des 10 pound project. Ouais, c'est vachement bien, ce carreau. Merci. Celui-là, il est beau. C'est le Frosty Flower. Et mon chéri qui me dit, dépense pas trop. Hein. Non, 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 non. Bon, tout simple. Ils sont pas très pigmentés, les blushs. On a l'impression que on prend rien, en fait, quand on les. Tu vois, hein? J'ai l'impression qu'on prend rien. Bon, d'accord, ok. Je l'ai pas pris 2 fois le Frosty Flower. Si, je l'ai pris 2 fois. Ah, la gourde. Bon, bah, j'en offrirai rien, c'est pas grave. J'en offrirai rien, je le mets sur le côté. La gourde. Et le Pinkies. Waouh, celui-là est beau. Hein. Comme ça, le blush, je vais l'offrir à ma copine Laetitia de Belgique. Des fois, elle me dit, regarde si tu me trouves des trucs chez nous, mais quand c'est la carte du chéri, c'est vrai, je préfère pas, quoi. Après, elle va dire, non, mais attends, tu rigoles, quoi. Et voilà. Ah, oh, celui-là, il est beau. Ah, celui-là, il est beau. Ouais, il me plaît vraiment bien. J'aime beaucoup la couleur. C'est vachement original. J'adore. Bon, pas bah, ok. Mais ce n'est pas fini. Non, non, non. Parce qu'il y avait aussi des vernis de cette marque. Donc, j'ai pris un bleu. Voilà. J'ai pris un. Gris, noir, anthracite. J'avais dit que j'arrêtais d'acheter des vernis. Hein. Ça a bien marché. J'ai pris un fuchsia. Tout était à 85 centimes. J'ai pris un nude. Et un rouge rose, tu vois. Ensuite, car ce n'est toujours pas fini, j'ai pris. Deux gloss qui étaient à 75 centimes. Tu vois, c'est pour ça que je ne me suis pas pliée parce que. Donc voilà. Les couleurs ont l'air très proches. On dirait. Donc, alors, comment vous vous appelez, vous? Sumptuous et Ecstasy. Sumptuous. Oh, pas mal. Ouais, pas, franchement, pas mal. Je vous montre ça dans un instant. Voilà. Sumptuous. Et Ecstasy. Il n'y a pas beaucoup de choix là. Je suis contente de trouver des petits trucs comme ça des fois. Ecstasy. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais me mettre par-dessus le rouge à lèvres. Ça peut être sympa. Un petit brillant comme ça. Moi, j'aime bien. Je le mets dans ma voiture souvent. Des petits trucs de chez nous comme ça. Comme ça le matin. Et ensuite. Ah oui! J'ai oublié de vous dire qu'il y avait encore un P2. Je ne l'avais pas vu la dernière fois, celui-là. Un bleu comme ça. Un bleu métallique. Et puis, j'ai pris 3 lip pencils, toujours de la marque AKA. Le premier, alors ils étaient à 65 centimes. Je vais te dire, je ne me suis pas privée. Donc, est-ce que vous avez des teintes, les gars, ou pas?
Bah, il y en a un qui est un peu violine. Rose violine. Tu vois. Voilà. Il y en a un qui est nude. Ou encore qui ressort beaucoup plus foncé à la caméra. Nude orangé un peu, je sais pas si on peut dire comme ça. Oh, il y en a, il est vachement foncé. Ah non, celui-là c'est Eye Pencil. Donc les deux pour les lèvres et Eye Pencil. Ah ouais, oh putain, il est bien. Fort crémeux, j'adore. Ah ouais, elle a marron. Ah, top, 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 top. Ça peut être pas mal pour faire. Tu vois, un peu en dessous comme ça. Après, testons. Bon, je sais pas pourquoi je fais ça maintenant. Hein. Ouais, ça sert à rien. Surtout que tu vas pas estomper. Donc ça va rester un bloc. Bon, carreau, n'importe quoi. Bon, c'est juste pour vous montrer, quoi. Enfin, ça intensifie, quoi. Enfin, bref. Donc voilà pour mon petit all nose. Enfin, petit mais costaud, quoi. Donc bah Laetitia, ma biche, celui-là, il sera pour toi. Parce que du coup, bah, j'ai acheté deux fois le Frosty Flower. Donc tu vois, j'ai juste un peu swatché, hein, tu m'en veux pas. Et puis bah voilà. Donc je vous retrouve très vite pour une autre nouvelle vidéo. Demain, j'aurai encore des vidéos à vous faire. Oui, demain, certainement plusieurs. Parce que vous savez que le samedi, c'est mon jour, quoi. Donc je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite. Ciao les filles!